Bonjour et bienvenue pour cette troisième édition. Comment réaliser un convertisseur communément appelé converteur ou inverteur ou encore onduleur? 12 volts DC à 120 volts AC ou 12 volts DC à 240 volts AC, tout dépendant du transformateur de ligne qu'on va utiliser. Voici notre schéma. Pour réaliser ce circuit, on va avoir besoin deux transformateurs 120 volts, 24 volts. L'important, c'est qu'on ait un centre-étape de 12 volts de chaque côté. Ça peut être un transformateur 240 à 24 volts, tout dépendant de la tension de sortie qu'on veut obtenir. Pour mes besoins, j'ai opté pour un transformateur 120 volts, 24 volts, c'est-à-dire 12 volts centre-étape. Dans les versions antérieures, on utilisait une bascule 43BD comme flip-flop. Cette fois-ci, on va utiliser notre Trigger Smith. On va prendre les deux premières portes, c'est-à-dire qu'on va utiliser les pins 1, 2, 3, 4, la pin 7 pour le ground et la pin 14, son alimentation en 12 volts. On élimine ainsi le flip-flop. Moins de composantes, moins de problèmes. On poursuit avec notre liste. On va avoir besoin d'un choke de 100 microhenries, une bonne vingtaine d'ampères, sinon plus, encore mieux. On va avoir besoin de deux MOSFET IRFP 260N. On va avoir besoin de notre Trigger Smith, bien entendu, le 4106, un potentiomètre de 20K, un fusible d'au moins 40 ampères, une bonne source d'alimentation, une pile 12 volts ou plusieurs en parallèle, un interrupteur, un condensateur de 1 microfarad, une résistance de 5 kΩ, une résistance de 3,3 kΩ, deux résistances de 100 ohms, deux résistances de 10 kΩ et deux diodes anneaux 12 volts, un N5349. Mettons en place nos composantes pour faire notre montage. Voilà. Une fois les composantes mises en place, il ne reste plus rien qu'à faire notre filage. On va y aller étape par étape, pièce par pièce, pour faire les connexions. Si on va vérifier notre schéma, on part de notre point commun et on l'amène à notre C1, à une pin du C1. On va relier notre C1 à notre point commun de la batterie. Première connexion de faite. On voit aussi que A1 vient rejoindre aussi notre point commun. R1 est maintenant relié à notre C1 et au point commun. Continuons avec C1. L'autre extrémité de C1 s'en vient à une de nos broches de notre potentiomètre de 20K P1. On remarque que notre curseur de notre potentiomètre est relié aussi à la patte A du potentiomètre et à C1. Ensuite, on poursuit avec notre résistance R1. On peut constater qu'elle est reliée à R2, qui, lui, est relié de l'autre côté du potentiomètre. On va maintenant rattacher R2 à l'autre côté du potentiomètre. Retournons à notre schéma. Notre curseur et notre
pin A de notre potentiomètre vont à la pin 1 de notre trigger, notre premier trigger. C'est la pin 1 sur le 40-106. Maintenant, on a notre jonction de nos deux résistances R1 et R2. R1 et R2 viennent se brancher à la broche 2 de notre 40-106. Voilà. Dans cette première partie de la configuration, on vient de réaliser notre timer. C'est-à-dire notre générateur de pulse. Notre première pulse va être générée et le clock va être déterminé par la résistance R2 et C1. Notre fréquence d'oscillation va dépendre de la valeur du pot 20K P1. Cette première partie du générateur de pulse va nous fournir ici à la sortie, à la broche 2 de notre 40-106, la pulse high qui va alimenter notre premier MOSFET. Maintenant, on va relier la pin 3, la broche 3, à la sortie de la broche 2. Lorsque notre premier trigger va nous fournir une pulse, il va l'envoyer à notre deuxième trigger qui va ensuite fournir la pulse low. Revoyons notre schéma. Donc, la sortie de notre premier trigger s'en va à l'entrée de notre deuxième trigger qui va nous donner notre pulse low. Notre premier trigger nous donne notre pulse high. Nos deux sorties sont reliées aux résistances R3 et R4 de 100 ohms. R3 relié à notre première bascule, R4 relié à la sortie de notre deuxième bascule. Si on revient à notre schéma, nos résistances R3 et R4 viennent alimenter les gates de nos deux MOSFET Q1 et Q2. Maintenant que R3 et R4 sont reliés à nos pulses high et low, on va maintenant connecter ce qui se rapporte à notre premier MOSFET Q1 IRFP260. D'abord, notre résistance R3, on l'amène à la gate. On va relier aussi à notre gate de Q1 notre diode Zener. Notre diode Zener va servir à protéger notre gate aux détentions dépassant les 12 volts. Par exemple, si on alimente avec une batterie de voiture qui est à 13,8, on n'aura pas plus que 12 volts à la gate. Notre résistance de 10K, R5, aussi reliée à la gate. Voilà. Maintenant, on va relier au point commun. Si on retourne à notre schéma, on peut voir que R5 et D1 sont reliés au point commun et à notre source de notre Q1. Commençons par R5 qu'on va ramener à notre point commun, suivi de l'anode de notre diode Zener, qui s'en va aussi au point commun, suivi de la source de notre MOSFET, qui s'en va aussi au point commun,
ensuite, il reste notre drain à connecter de notre MOSFET vers T1. Maintenant, on a déjà notre première partie de fait. Si on vérifie notre circuit, ce qu'on a fait, on a passé de R3 relié à R5 et D1 à la gate du MOSFET. La source de notre MOSFET s'en va au point commun et rejoint aussi l'anode de notre diode et l'autre côté de notre résistance de 10K qui sert à fermer la gate plus rapidement. Et la sortie de notre MOSFET, le drain, s'en va à T1. On va faire la même chose avec Q2. Donc, on part de notre résistance R4. On va aller rejoindre suite R6. La gate de notre Q2 à notre jonction de R6 et R4. Un contact là. On va y mettre ça de votre temps. La cathode de notre diode D2 à notre gate. On va replacer un petit peu notre choke. Peut-être pas tant que ça. Juste pour dégager, faire une ligne droite. La source de notre Q2 comme la source de notre Q1 s'en va au commun. La node de D2 s'en va au commun aussi. Et l'autre côté de R6 s'en va aussi au commun, qui va permettre à notre gate de Q2 de se fermer plus rapidement. Il ne reste plus qu'à relier le drain de notre Q2 à T3 de notre transformateur. L'autre côté de notre transformateur, on va aller connecter nos ampoules. Donc, on va relier notre dernière ampoule à L2. On va ensuite relier toutes nos ampoules de 100 watts. 5 ampoules de 100 watts. On passe maintenant de L1 à notre dernière ampoule. Et on branche parallèlement nos 4 autres ampoules. Et finalement, notre dernière ampoule de 100 watts qui va nous donner un total de 500 watts de consommation avec des ampoules de 120 volts. Maintenant, si on revient à notre schéma, on peut voir qu'on a relié nos deux MOSFET à notre transformateur et la sortie de notre transformateur reliée à nos ampoules. Dans le schéma, on a deux ampoules de 500 watts. Dans l'organigramme, on a 5 ampoules de 100 watts, ce qui équivaut au même. Maintenant, passons à notre alimentation. On a vu tantôt que notre point commun, on va ajouter un ground. Voilà. On
a vu que notre alimentation, notre pile de 12 volts, contient déjà des points de contact VDD et VSS. VSS, notre voltage source, est relié directement à VSS, la pin 14 de notre CD40106. La pin 14, c'est notre alimentation positive. Et la pin 7, VDD, qui est notre ground, qui est relié aussi au négatif de notre batterie. Maintenant, on va faire notre ligne positive. On part de notre positif de la batterie et on s'en va à notre commutateur. De l'autre côté de notre commutateur, on s'en va alimenter notre fusible. De l'autre côté de notre fusible, on va alimenter un côté de notre choke. Et à la sortie de notre choke, on va alimenter notre T2 de notre transformateur, notre centre-table T2. Lorsque notre transformateur est en mode normal, on a notre primaire de 120 volts et notre secondaire de 2 fois 12 volts. Le centre-tape est à 0 volts. Par contre, dans cette configuration, on a inversé le transformateur. Notre primaire devient le secondaire devient le primaire. Donc, notre primaire T2 qui est à 0 volts, c'est lui qui reçoit notre 12 volts. Et chaque fois qu'un des MOSFET va être switché, il va alimenter T1 ou T3 à tour de rôle. On est prêt à vérifier si ça fonctionne. On va se mettre maintenant quelques points de lecture. Disons, on va prendre notre lock ici. On va l'appeler I. Et à R4, on va installer un autre point, une autre sonde qu'on va appeler low. On va relier notre low à notre R4. On va reprendre ces points de contact. On va les relier à notre oscilloscope de 4 traces. On va maintenant connecter notre eye à notre canal A de notre scope. On va maintenant relier notre low à notre canal B de notre scope. Pour pouvoir obtenir une lecture de notre fréquence et de notre tension de sortie. Maintenant, on va utiliser notre point de contact L2 qu'on va relier à notre canal C. L2 va nous donner au scope notre tension de sortie et notre fréquence. On va maintenant déterminer des segments de couleurs pour avoir des couleurs différentes pour chaque canal. Disons vert pour notre pulse I. Disons rouge pour notre pulse low. Et disons jaune pour notre sortie L2. Démarrons notre simulation et allons voir qui en est.
Donc, si on peut voir en vert notre pulse I qui rentre dans notre MOSFET Q1 et à T1 de notre transformateur. Lorsque I est on, low est off et vice-versa. En rouge, on a notre pulse low qui alimente notre MOSFET Q2 qui lui alimente T3. Il switch, autrement dit, le transformateur à on lorsque lui est à on et vice-versa. Donc, à chaque pulse, on change de bobine, de T1 à T2 et de T3 à T2. Notre alimentation de 12 volts DC arrive à T2. En jaune, c'est notre sortie de 120 volts, ou proche, peut-être étant donné qu'on consomme actuellement autour de 500 watts, on est peut-être autour de 105-110 volts, ce qu'on peut aller voir en mettant une probe de voltage. Et voilà, on est autour de 108 volts. À 60,2 Hz. Si on installe une probe pour lire la fréquence à notre pulse I, on peut voir qu'à notre high, on a aussi 60,2 Hz. Donc, on a un ondulateur de 60 Hz à 120 volts à partir d'une source DC de 12 volts. Si notre transformateur, c'était un transformateur 240 volts, 24 volts, on aurait 240 volts à la sortie ou proche selon ce qu'on consomme. 5 ampoules de 100 watts tirent presque 4 ampères à 120 volts. Donc, va tirer presque 40 ampères, 37, mettons, ampères en DC à 12 volts sur T2. Donc, ça prend quand même un transformateur qui a une bonne résistance à l'intensité. Si on veut aller voir qu'est-ce qui se passe à l'entrée de notre pin 1 au niveau de notre trigger, parce que ce qui détermine nos pulses, c'est la charge et la décharge de ces 1. Donc, disons qu'on installe une sonde qu'on va appeler trig pour trigger, qu'on va relier à ces 1. Et que cette même sonde, on va la reproduire à notre scope. Au canal D, qu'on va mettre en bleu. On va redémarrer notre système. On peut voir la charge et la décharge du condensateur qui génère les pulses, comme le 555. C'est notre trigger. Faut dire que le trigger de Smith, comme le 555, est muni d'un diviseur de tension à trois résistances. Au seuil haut de la charge du condensateur, c'est-à-dire aux deux tiers de sa tension. Donc, si on a 12 volts, les deux tiers, c'est 8 volts. À 8 volts, lorsqu'il atteint 8 volts, il passe à off. Lorsqu'il est décharge jusqu'au tiers de sa tension, c'est-à-dire 4 volts dans ce cas-ci parce qu'on est alimenté en 12 volts, il réactive la puce. Lorsque la puce passe à off, la puce low, elle, passe à on.
et ainsi de suite. Lorsque nos deux pulses sont envoyées alternativement à chacun des MOSFET, ceux-ci, à tour de rôle, alimentent T1 à T2 ou T2 à T3, ce qui nous donne une tension alternative de plus 50 volts et de moins 50 volts. Au total, on a une tension de 108 volts actuellement en ayant le maximum de charge, c'est-à-dire 500 watts pour ce type de transformateur. Si on veut avoir plus de puissance, on peut mettre des MOSFET en parallèle et obtenir un transformateur, bien entendu, qui est capable de supporter un ampérage pareil. Actuellement, lorsqu'on tire 500 watts à la sortie, on tire une quarantaine d'ampères, 37 point quelques ampères sur notre batterie. Donc, l'idéal, c'est de remplacer nos ampoules incandescentes de 120 volts, 100 watts, par des ampoules de type COB, des ampoules à LED de type COB, qui peut éclairer 60 watts pour environ 5,5 watts. Donc, on peut avoir beaucoup plus d'ampoules reliées dans un circuit similaire. Voilà qui met fin à cette troisième édition de la présentation de mon onduleur. L'avantage de ce circuit, c'est qu'on a éliminé le 43 qui était notre bascule. On utilise seulement le CD40-106B qui est un next trigger smith, un trigger smith à 6 portes. On en utilise juste 2 pour ce schéma. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelques réponses à vos questions. Si vous voulez plus de détails, plus d'informations, juste à me communiquer en passant par les commentaires. Merci. Et à la prochaine!